Malgré mes souvenirs brisés, je sais que j'ai amené ces guerriers ici pour défendre notre réalité. C'est au-dessus de ces terres étranges que nous nous préparerons à l'affronter. Galactus, le dévoreur de monde. N'oublions pas qui nous sommes. Tornal, Iron Man, Mystique, Docteur Fatalis, She-Hulk, Wolverine, et... Je s'appelle Groot. En effet. Notre plus grand combat commence maintenant. Nous explorerons ces terres et retrouverons nos pouvoirs, ainsi que notre mémoire. Rejoignez-nous, ensemble. Nous vaincrons Galactus et sauverons la réalité. Et salut à tous, donc j'espère que vous allez bien les gars, comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire comment vous allez en commentaire les gars, franchement, je sais pas vous, mais après ce petit trailer, j'ai trop la hype, donc c'est bien ce qu'on pensait, du coup, les Marvel, X-Men, etc. ont perdu la mémoire, et du coup, c'est une petite fusion des deux, donc je pensais qu'il allait y avoir que les Marvel, et mais ils ont mis les deux, Marvel, X-Men, on peut le voir dans le pass de combat, on a Iron Man, donc Iron Man que tout le monde attendait, Thor, on a la meuf de Hulk, bon, bien sûr, on aurait préféré Hulk, mais c'est déjà ça, on a... Du coup, Groot et tout, franchement, c'est un truc de fou, les gars. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je trouve ça vraiment incroyable pour cette saison. Vous le savez, comme d'habitude, on va acheter le pass de combat. Alors, ce soir, les gars, il y aura un petit live avec Eckhart qui achète tout le pass de combat. Mais franchement, là, j'ai trop la hype. Je sais même pas quoi dire. J'ai essayé de me spoil le moins possible. Alors, le premier skin que j'avais vu, c'était tout simplement Thor. Voilà, j'étais obligé de me spoil. C'était mort. J'avais vu dans le trailer de Fortnite, je l'avais vu partout. Donc, en fait, j'étais baisé. Et de toute façon, dans le live, de... enfin, dans le trailer de Fortnite, on a vu qu'il y avait Groot, etc. Donc, on a tout simplement. Le skin Thor, fils d'Odin, dieu du tonnerre, je suis désolé si, franchement, si j'arrive pas à parler, mais what the fuck, franchement, cette saison, elle annonce du lourd. Donc là, ils vont devoir retrouver la mémoire et affronter Galactus, tout simplement, les gars. Alors, venu tout droit d'Asgard, lueur du Bifrost. Donc là, c'est les héros qui sont venus en Bifrost. Donc là, on a tout simplement une traînée qui représente le Bifrost quand les héros sont arrivés. Cape de Thor, la cape du héros de Thor, donc Thor a une cape assez sympathique. Là, on a une espèce de petite lueur, donc c'est franchement ultra sympa, c'est ultra clean. Moi, ce que je veux voir, c'est les skins, surtout le planeur. Donc, c'est un planeur de base, mais un petit peu amélioré avec un petit fond. Ok, donc c'est juste un panneau solaire, en fait. Ok, ok. Ok, le revêtement. Le revêtement, ça rappelle un petit peu le revêtement Galaxy, vous savez. Mais sauf que là, c'est un petit ciel étoilé, voilà, éclat des étoiles. MCG style pour le planeur de Thor. Ok, donc en fait, c'est pas un... Ok, ok, c'est pas un panneau solaire, c'est un panneau d'affiche. Et on peut débloquer des styles supplémentaires, ok. Donc c'est un petit peu le planeur personnalisable, sauf que là on est obligé d'avoir ça, ok, on peut pas choisir. Là on a quoi? Chemin de Majorine. Ok, donc là en fait c'est une... Ah c'est un planeur, wesh! Je trouve que c'était une émote en mode, vous savez, genre le marteau peut devenir... Ok, genre on peut en faire un éclair ou je sais pas. Défi de l'éveil de Thor, donc ok, même Thor. Ok, Thor je le rappelle, dès le début il est comme ça, ok. Et apparemment, on peut l'upgrade... Pour qu'il soit en full éclair. Ok, donc ça, on l'avait vu vite fait dans la cinématique quand il s'est énervé contre les joueurs de Fortnite où il commençait à se transformer. Là, on a tout simplement pour She-Hulk son petit revêtement. Il est un petit peu moins beau que celui de Thor quand même. Alors les gars, vous le savez, je coupe le son du jeu parce que tout simplement, vous m'envoyez plein de notifs pour m'inviter. C'est pas que je vous aime pas, voilà. C'est tout simplement parce que quand je suis en privé ou quoi, ou que je suis en vidéo, j'aime bien être tranquille, voilà, tout simplement pour expliquer. Et c'est vrai que se faire spam notifs, je pense que vous comprendrez que c'est un petit peu... embêtant. Donc voilà, je coupe le son, mais de toute façon je vous mettrai les musiques juste après, on les verra ensemble. On a le planeur donc de She-Hulk, donc c'est le même planeur qu'on a vu tout à l'heure, sauf que là cette fois-ci c'est une petite pub pour She-Hulk. Là on a tout simplement Jennifer Walter, le cerveau ou les muscles. Donc ok, elle en gros c'est She-Hulk en gros, voilà. Donc en gros on la va rendre comme ça, ou alors elle se transforme pas honte, elle est what the fuck les lunettes et tout, ok bon c'est pas trop mal mais c'est pas la meilleure de toute façon. D'ailleurs les gars n'hésitez pas à me dire en commentaire quel est votre skin préféré une fois qu'on aura un petit peu tout vu. Marteau de la justice, de toute façon il faudra qu'on retourne dans le pass de coin parce que j'ai que les 25 paliers. Donc on a le marteau, on a les défis surcharge gamma, donc là elle se transforme en She-Hulk. Donc apparemment She-Hulk on pourra pas l'avoir tout de suite, ça sera via des défis comme Thor. Donc pour ceux qui se demandent, et ben tout simplement il faudra faire quelques défis pour débloquer les pouvoirs tout simplement. Donc là on a Groot, oh putain, par contre il est trop, oh là 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 là, vous imaginez un petit peu Groot derrière. Par contre j'espère trop
Parce que là, il danse, mais imaginez, vous êtes en game et il fait genre, je suis Groot ou je sais pas quoi. Oh là 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 là. En plus, je le vois là, il me. Ok, écorce d'arbre pour la Scar, c'est stylé aussi. Hache ancestrale de Groot, les gars. What? Ah, mais en plus, elle se transforme. Ok, c'est en. Ils ont fait comme une dernière saison, en gros, on peut avoir en pioche normale ou en pioche évoluée. Par contre, là, j'aurais aimé une petite animation où, genre, même on peut la changer en game parce qu'on le rappelle, Groot, c'est quand même genre un espèce d'arbre. Donc, imaginez sa pioche, elle peut se transformer en game et tout, ou genre, on peut choisir. Genre comme une émote intégrée un petit peu, je pense que ça aurait été stylé en vrai vu que Groot en plus on peut le faire. Donc là pareil, le planeur, on a le petit sticker sur le planeur mais version Groot. Enfin moi j'appelle ça le sticker mais c'est des petits écrans en fait. Hein. Elle loueuse donc le petit planeur de Groot, donc franchement pas mal. Là pareil, frère d'armes, donc ensemble pour Groot. Donc là Groot, son pouvoir c'est qu'il pourra invoquer du coup Raccoon si je me souviens bien. Je sais plus exactement comment il s'appelle. Dites-moi les gars en commentaire si je dis de la merde en fait, mais je crois que c'est Rocket, un truc comme ça. Mais voilà, pour ceux qui savent son nom les gars, n'hésitez pas à me corriger en commentaire parce que... Bah je sais plus en fait. Mais du coup on voit que chaque héros a un pouvoir et ce pouvoir se débloque bah en fait petit à petit. Il faudra faire tout simplement des défis. Donc là on a Tornade, franchement un des persos que je trouve les plus stylés avec Thor. Regardez-moi ça, on a les petits effets là et son évolution, je pense qu'elle doit être vraiment badass. Donc là pareil que tout à l'heure, tout simplement le petit planeur à l'image du héros. Ensuite on a la main foudroyante. Ok, donc ça c'est sa pioche. C'est ça hein, outil de collecte dompter des éléments. What? Mais vous imaginez, vous êtes en game et c'est même plus une pioche en fait. Genre là on pioche avec son pouvoir, c'est vraiment trop stylé. Ensuite du coup tempête grondante. Donc là j'ai cru que c'était tout simplement une émote intégrée ou je sais pas, genre où on peut se déplacer, genre une émote à mobilité. Mais en fait les gars c'est un putain de planeur. Seul Tornade a le pouvoir de l'invoquer. Donc en fait si vous n'avez pas Tornade, vous ne pouvez pas tout simplement utiliser le bah tout simplement la tempête grondante en planeur tout simplement. Putain mais c'est tellement stylé. Puissance de la tempête, donc pareil on débloque ses pouvoirs cette fois-ci au niveau 60. Elle est vraiment ultra stylée. Par contre elle fait son pouvoir et elle l'enlève, donc je me demande est-ce qu'on garde le pouvoir toute la game. Par exemple si je transforme la Miss Hulk, est-ce que du coup elle garde tout simplement son pouvoir toute la game ou est-ce que ça s'enlève au bout d'un moment, genre est-ce que c'est juste comme une émote, tu l'utilises une fois comme une danse et au bout d'un moment ça se désactive. Ça serait un peu con mais en vrai c'est stylé de ouf. Bâton de Fatalis. Oh là 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 là. Le bâton et tout. Et genre son pouvoir ça doit être quoi? Là on a tout simplement ce revêtement qui est réactif. Ok. Donc là on peut pas activer pour voir. Je clique partout mais ok on peut pas. Ensuite du coup on a le docteur Fatalis les gars. Franchement ultra stylé. Franchement. Avec son petit masque et tout qui se cache le visage. Il est vraiment bogus. Calice de la Fatalis. Ok donc il a une petite coupe dans le dos lui. Donc elle est animée. Donc ça c'est stylé. On a tout simplement aussi le planeur Vengeance. Donc là pareil que tout à l'heure. C'est tout le temps le même planeur sauf que vous... Plus vous montez dans le pass de combat, plus ça vous débloquera de possibilités d'avoir des images tout simplement sur votre planeur. Ensuite, tout simplement, son pouvoir, qu'est-ce que c'est? Seul Fatalis peut utiliser ce... Ah, mais c'est même pas son pouvoir, ça encore, c'est tout simplement un planeur. Mais chaque héros, putain, il a un... Genre un planeur qui peut créer avec ses pouvoirs, mais c'est pas vraiment un planeur. C'est plus ses pouvoirs qui leur permettent de léviter ou quoi. Franchement, ça c'est ultra stylé. On a la traînée de Fatalis, stylé aussi, comme ça avec les petits éclairs. On a son pouvoir, voilà, enfin... Victoire von Fatalis. Ah ouais. Ah ouais, le mec il se pose au calme. Lui son pouvoir c'est juste qu'il invoque un trône. Ça, on est d'accord les gars que tous les héros juste avant qu'on a vu ils ont des pouvoirs ultra stylés. Lui il se cale juste dans un trône, il s'assoit. Genre what? Genre ils lui ont pas mis un pouvoir de ouf ou quoi. C'est juste il a son trône, il l'invoque, il s'assoit dessus. C'est tout. Enfin, là pareil du coup le petit planeur avec sa petite image. On a Mystique, donc d'après ce que j'ai vu elle peut se transformer en skin Fortnite et tout. J'espère que c'est vraiment ça son pouvoir parce qu'on l'a vu dans le trailer. Crâne de Mystique, donc réactive, donc je sais pas ce qu'il faudra pour que ça s'active, mais on le verra aussi plus tard par la suite. Lame métamorphique dorée, style au choix. Ok donc là pareil on a deux styles. What? Ça fait un effet bizarre quand vous regardez l'âme. What? Putain les styles en vrai son arme. On a le faisceau vif. Donc là, hop, la petite traînée au calme. Du coup, son pouvoir métamorphe. Ok, pour débrouiller, atteigner niveau 86. Ah, ok, donc c'est bien ça, les gars. C'est ce qu'on avait vu. Elle peut se transformer en skin Fortnite. Oh, par contre, c'est abusé. Genre, imaginez, vous voulez faire croire que vous êtes en... Genre, quand vous êtes en game, vous voulez faire croire que vous êtes un Bambi ou quoi. Vous changez vite fait, ils savent pas que vous êtes en métamorphe. Et hop, vous devenez un petit skin Bambi, genre au calme. Par contre, je sais pas si ça change à chaque fois, si on a que un skin Bambi. Parce qu'elle se transforme tout le temps en ce skin-là. Mais en vrai c'est stylé de ouf. Là on a quoi? Oh, oh non. Oh non. Oh j'ai vu quelque chose. J'avais vu dans le trailer mais d'accord. On l'a vraiment vers la fin et tout. Il est ultra stylé. Tony Stark. On a son sac à dos. Ultra stylé. Les petits fusils qui sont prêts à tirer. On a tout simplement... Bon le revêtement j'ai... D'ailleurs j'ai oublié de vous le montrer.
Le revêtement qui est réactif, ok, j'ai cru que c'était encore un revêtement genre post-it où il n'y a rien, mais ok, il est réactif, ultra stylé aussi. Et là, on a tout simplement le grand Tony Stark, les gars, Tony Stark. Voilà, il est juste ici, ensemble d'Iron Man, donc on l'aura sans son armure au début, j'imagine. On l'aura peut-être après, on va voir les paliers suivants. Donc là, pour tellement BG. On a tout simplement, pareil, le planeur avec son petit sticker. Moi, ce que je veux voir, c'est tout simplement son pouvoir après, mais je le vois là. On a tout simplement, oh là là, sa pioche, ça va être un bout de son armure. Enfin, c'est son armure, la pioche en gros. Genre là, il l'active et là, on a une espèce de lame. Oh là là. À l'origine, Tony Stark voulait faire un rasoir. Ok, donc en fait, il s'est fail, il a fait une pioche. Oh là là. Ensuite, les gars, on a le planeur module de vol marque 90, uniquement utilisable avec Tony Stark. Donc, si vous n'avez pas Tony Stark d'équipé, tout simplement, vous ne pouvez pas utiliser ce planeur. Ensuite, son pouvoir palier 100, les gars. Et vous voyez d'ailleurs que le pass n'est pas fini. Et ça, c'est franchement bizarre. Est-ce qu'ils nous ont mis deux passes de combat ou est-ce que vraiment on a autre chose? Donc là, déjà, je vois le petit logo de Wolverine. On l'a vu dans le trailer. Donc, je me demande si c'est pas ça. Donc là, on a tout simplement Iron Man en full armure. Donc, dès que vous êtes palier 100, vous avez quelques petits défis à accomplir pour tout simplement avoir Tony Stark avec son armure. Et il est vraiment ultra stylé. Donc là, on peut le voir. Donc là, imaginez, vous avez le planeur plus Tony Stark, genre avec sa full armure. C'est franchement ultra stylé. Et là, je pense que tout le monde est prêt à voir du coup. On a encore deux petits rangs à regarder, donc on va voir ce que c'est. On a tout simplement, donc là c'est ce que j'avais dit, Wolverine les gars, sauf que là on peut le voir, il faudra accomplir des défis pour les paliers de Wolverine. Donc c'est comme si on avait deux passes de combat les gars, tout simplement on a le premier pass de combat qu'on achète et qu'on fait en faisant les défis de chaque semaine. Et là on a quelques défis, donc tous les, bah, pareil, chaque semaine. Et en gros c'est comme si c'était le skin secret, donc là il y a marqué enquêter sur les mystérieuses traces des griffes tout simplement. Et on gagnera déjà pour la première semaine l'aérosol. Ensuite, on aura tout simplement l'écran de chargement. Et petit à petit, tac, 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 on va avoir le revêtement. Donc, est-ce que... Donc là, revêtement pas animé. Donc ça, c'est ce que je voulais voir s'il était animé. Il n'est pas animé du coup. Ensuite, on a tout simplement le skin Wolverine, les gars. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Mais je trouve ultra stylé, les gars. Et je vois déjà son pouvoir. On voit les petites griffes ici. On va cliquer, les gars. Donc là, pareil, le petit pouvoir. Dès qu'on est, du coup, dès qu'on a fini le dernier défi. Et il déploie tout simplement ses griffes, les gars. Donc là, il y a marqué qu'on peut remplacer notre outil de collecte par les griffes de Wolverine. Donc là, si vous avez ce pouvoir-là, vous pouvez tout simplement retirer votre pioche et activer le pouvoir pour piocher avec. Et ça c'est ultra stylé les gars. Imaginez, vous avez votre pioche en main, vous en avez marre, vous activez le pouvoir et là vous sortez vos griffes tout simplement et vous pouvez piocher avec à la place. Et du coup on voit ici qu'il y a un dernier petit carré, on va cliquer dessus pour voir. Et du coup tout simplement c'est pas un autre pass de combo quoi, c'est des variantes de skin. Donc là, accomplir les défis de la semaine 1 ou 2, donc il faut en faire 10 pour avoir tout simplement la variante en écarlate de Jennifer. On a Tornade Punk, pareil, on peut débloquer la variante. Donc là, il faut atteindre le niveau 53 et c'est semaine 3 ou 4 qu'on doit faire les défis. Ensuite, on a Wolverine classique. Donc pour lui, il faudra tout simplement avoir la tenue de Wolverine. Donc je pense que lui, on le débloquera vraiment plus tard et accomplir les défis de la semaine 5 ou 6. Ensuite, on a Docteur Fatalis, Empereur Dieu. Et franchement, il est même plus classe que sa variante de base. Franchement, dites-moi votre variante préférée, les gars, en commentaire. Mais honnêtement, Fatalis comme ça, blanc et or. Oh là 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 là. Par contre, il est ultra stylé. Et on a tout simplement Mystique Tactique, les gars. Franchement, elle est stylée. Donc là, tout simplement, sa petite coupe de cheveux, etc., qui change. Donc franchement, c'est ultra sympa. On peut voir franchement que cette saison, on est gâté, les gars. On a tout simplement deux passes de combat. On a le premier qui est tout simplement tous les héros de base et il faut atteindre le level 100 pour tout simplement tout débloquer, que ce soit les pouvoirs, les skins, etc. Ensuite, on a là le pass tout simplement avec Wolverine, les gars. Et ensuite, tout simplement, on a les défis pour obtenir les variantes pour pratiquement chaque skin. Donc là, on n'a pas de variante pour Iron Man, c'est dommage. J'aurais bien aimé l'avoir en noir et blanc ou quelque chose comme ça, un petit style assez sapin. Mais du coup, ils ne l'ont pas encore mis ou du moins, ils ne nous le mettront pas. Donc là, on ne le sait pas vraiment. Pour ce pass de combat, les gars, on a été ultra gâtés. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, si vous êtes hype, si vous le trouvez sympa, même si vous le trouvez nul, voilà, pourquoi pas donner une petite note sur 20 à ce pass de combat. Pour moi, il mérite vraiment un petit 20 sur 20, franchement, il est vraiment nickel cette saison. C'est Marvel mélangé à X-Men. Donc franchement, je trouve ça ultra classe. Sur ce, les gars, comme d'habitude, si cette petite vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et puis sur ce, je vous laisse, à plus et à la prochaine.